Bonjour, je suis Florie, la coordinatrice de la résidence pour la réussite Parc Blondin du Crous de Lyon. Je serai ton guide pour cette journée. Comme tu peux le voir, nous sommes au cœur du Parc Blondin, une ancienne caserne militaire entièrement réhabilitée. Je te laisse découvrir cet endroit. Nous sommes à présent devant la résidence. Je t'invite à me suivre dès que tu es prêt pour la découvrir de l'intérieur. Un futur résident. Bonjour, bienvenue. Marie est la personne à qui tu pourras poser toutes tes questions concernant ton logement. C'est ça, tout à fait. N'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit. Je suis là. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Prochaine étape, les espaces communs. Nous sommes à présent au cœur de la résidence, les salles de travail et de vie. Cet espace permet aux tuteurs et aux tutorés du programme de travailler ensemble, d'échanger et de partager. C'est aussi mon bureau, donc n'hésite pas à venir me voir. Du coup, maintenant, on va visiter un studio. Bonjour Vincent. Salut Florie, tu vas bien? Très bien, merci de nous accueillir. Je t'en prie, rentre. Alors, je te présente mon appart. Voilà, c'est assez petit, mais c'est très fonctionnel. Alors, de ce côté-ci, t'as la cuisine, avec tous les rangements, comme tu peux le voir, pour mettre ton micro-ondes, c'est très pratique. De ce côté-là, t'as le coin pour te poser, manger, faire ce que tu veux. De ce côté, tu as le bureau où tu peux travailler. Par là, tu as tout plein de rangements et si tu regardes en haut, tu en as encore plus. Et tu as ton lit juste en dessous. C'est très pratique pour saisir les trucs. Là-bas, tu as la penderie. Et puis en face, tu as la salle de bain. Voilà. Oh bah, je te laisse regarder, moi je retourne à ma cuisine. À présent, tu vas visiter un nouveau type de logement, une colocation. Normalement, ils sont là. Bonjour, bonjour Maëva. Bonjour. Merci beaucoup de lui faire visiter. Pas de souci. Bon, du coup, suis-moi, je vais te faire visiter notre coloc. Du coup, là, je te présente Léo, qui est mon coloc, et Sébastien aussi. Du coup, ici, on est dans la salle commune, la salle commune qui va nous permettre de pouvoir passer du temps ensemble, donc des moments conviviaux, de manger. Ensuite, il y a trois chambres, une salle de bain et un toilette qui sont assez grands. Et on a une super belle vue sur le parc. Du coup, c'est assez sympa de passer des moments dans cette salle. Du coup, je te laisse visiter et moi, je vais continuer mes occupations. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas à me rappeler. Bon, du coup, je te présente ma chambre. Donc là, tu as un lit. Ici, tu as un bureau avec beaucoup de rangements. Et derrière, tu as un petit lavabo qui est carrément pratique. Enfin, ça apporte vraiment un plus. Et puis, il y a toujours la vue sur le parc, donc qui rend un peu la chambre lumineuse. Bon, et puis, si tu as des questions, n'hésite pas. La
Super, tu es revenu pour participer à notre animation. Comme tu le vois, la salle se transforme en fonction des ateliers que nous accueillons. Ce soir, nous cuisinons tous ensemble un repas équilibré avec des produits frais et de saison. Tu peux rester un petit peu avec nous si tu le souhaites. Ça y est, c'est déjà la fin de la visite. J'espère que ça t'a plu. Pour rejoindre l'année prochaine le programme de la résidence pour la réussite, tu trouveras toutes les informations nécessaires dans ce sac que je vais te remettre, mais également sur le site du CROUS de Lyon. À très bientôt !